La revue technique numéro 3 des étudiants de Aachen publie en mai-juin 1926 le communiqué suivant. Nous avons le douloureux devoir d'informer nos membres du décès de notre regretté camarade Nicolas Raus, ingénieur, décédé à Rollingengrund le 29 avril 1926 à l'âge de 49 ans. Tous ceux qui ont connu cet homme sympathique, ce camarade dévoué, lui garderont le meilleur souvenir et s'uniront à nous pour adresser les condoléances les plus sincères à la famille si cruellement éprouvée. Ça m'aurait fait 50 ans. C'est la vie. En tous les cas, c'est ma vie. Et moi qui m'étais fait une joie de fêter mes 50 ans dans ma maison à Polanka, entouré de toute ma famille arrivée de Luxembourg. Et oui, je suis luxembourgeois, venant de ce petit pays où nous gardons soigneusement notre langue. Mais nous parlons également le français et l'allemand, que nous utilisons selon les circonstances. Et j'ai même appris le russe pour mon travail. Mais, pardon, je ne me suis pas encore présenté. Je m'appelle Nicolas Raus. Je suis né le 8 novembre 1876 à Aspelt. Je suis le sixième d'une fratrie de neuf. Mes parents étaient aubergistes et y tenaient le café de la gare. J'y voyais les trains passer entre Luxembourgville et Mondorf. Après des études d'ingénieur en Allemagne et de géologie à Zurich, je décide très vite de m'expatrier en Russie vers 1903. Je rejoins mon frère Jean, de 10 ans mon aîné, qui travaille depuis plusieurs années déjà à Vixen. Moi, je travaille d'abord à Ivanovo, au nord-est de Moscou. Puis plus tard à Toula, comme sous-chef de fonderie. Suite à la guerre russo-japonaise de 1905 et au chaos qui s'ensuit, j'occupe différents postes au Luxembourg, puis en Russie, en Ukraine. Et c'est en 1908 qu'appelé par l'ingénieur Becker, je pars m'installer à Grozny, dans le Caucase. Grozny, où je devais passer les 10 prochaines années de ma vie. Regardez, j'aurais aimé vous parler d'elle, de Maria Goerens, ma future épouse, que j'épouserai en 1909. Elle-même aussi est issue d'une famille d'aubergistes Luxembourgville. On s'écrivait beaucoup, mais une de nos filles a préféré détruire nos lettres pour éviter les indiscrétions. Et ma mémoire n'est plus ce qu'elle était, hélas. À Grozny, je prends du galon, puisqu'on me nomme directeur des sources pour l'industrie des pétroles sous la firme belge Akferdorf. J'y retrouve toute une colonie luxembourgeoise, dont mon directeur Albert Becker, avec qui je devais avoir par la suite tant de conflits. J'y vois bientôt arriver Jean, ingénieur comme moi, marié depuis 1906 à Julia Hölz, une Volga-Deutsche. Avec Maria, nous habitons à environ 12 km de Grozny, dans une grande et belle demeure, où naîtront notre fils Albert, puis Marguerite, qu'on appelait Puppy. À la maison, nous parlons luxembourgeois, mais les enfants parlent le russe à l'école et apprennent un peu de français, ce qui est une bonne chose. Nous nous voyons souvent avec Jean et sa petite famille, nous déplaçant en troïka, diligence à trois chevaux, un grand et deux petits.
Un serviteur cosaque, je crois bien que c'était Ali, nous accompagnait, ainsi qu'un Tchétchène, afin de nous protéger des voleurs et des attaques toujours possibles de loups. Puis arrive le début de la Première Guerre mondiale. En septembre 14, Maria rentre avec les enfants et va donner naissance à notre troisième enfant. Ce n'est pas facile. Nous sommes séparés. Grozny, 14 octobre 1914. Innigst geliebte Mausi, endlich habe ich wieder einige Nachrichten von euch, meine Teuren, erhalten. Ich bin glücklich, dass ihr alle gesund seid. Man liest so schreckliche Sachen in den Zeitungen, dass einem ernstlich bange wird. Ich war fertig, nach Luxemburg zu kommen, euch abzuholen. Aber die verschiedenen Telegramme, die mir die Reise mit den Kindern als unmöglich hinstellten, haben mich besorgt, die Reise auszusetzen, zumal ihr ja in Sicherheit seid. Liebe, liebe Mausi, wann kommen wir wieder zusammen? Wann sehe ich mein letztes Kind? Wie heißt es, das arme Ding? Ich glaube, ich werde es noch mehr lieben wie die anderen. Ihr drei Alten steht hier vor mir und schaut mich an, wie wenn ihr fragen wolltet, warum kommst du Papa nicht? Grozny, 23. November 1914. Liebe, liebe Mausi, du kannst dir nicht denken, wie glücklich ich bin, von dir einen Brief erhalten zu haben. Ich hatte mir wirklich viele schwarze Gedanken gemacht um euch. Nach den schwedischen Zeitungen stand es schlimm um Luxemburg. Die Großherzogin und das Militär sollten in der Gefangenschaft sein in Deutschland. Viele Einwohner und alle Offiziere seien erschossen und die jungen Leute seien zum deutschen Dienst gezwungen eingezogen. Viele Häuser seien zerstört und die Bevölkerung leide großen Hunger. Du kannst dir denken, was mir alles durch den Kopf ging. Grozny, 4. Januar 1915. Liebe Mausi, ich wünsche dir und unseren Kindern ein glückliches Neujahr. Gebe der liebe Gott, dass wir uns bald wiederfinden und dass diese schrecklichen Zustände bald ein Ende kriegen. Teile der ganzen Familie meine besten Neujahrswünsche mit. Wie du wahrscheinlich aus einem meiner vorigen Briefe gelesen hast, bin ich im Streit mit meinem langjährigen Freund Tit. Ich habe ihm einen offiziellen Brief geschrieben, in dem ich ihn bat, seine Worte zurückzunehmen oder meine Demission vom 1. Januar an 1915 auf 6 Monate der Administration mitzuteilen. Er hat sich bei mir entschuldigt, hat eingestanden, dass er die Unwahrheit gesagt hatte, nahm seine Worte wieder und ich meine Demission. Von der Wiederherstellung unserer persönlichen Beziehungen kann natürlich nicht mehr die Rede sein. Meine Achtung für ihn ist für immer futsch. Ayant appris qu'un Hollandais est arrivé en Russie, après avoir traversé l'Allemagne, l'Autriche et la Roumanie, je m'enquiers auprès de lui pour trouver le meilleur chemin pour faire venir ma famille par là plutôt que par le nord. Finalement, Maria a pu arriver à Grozny 7 mois après la naissance de notre troisième enfant, Annie, que j'ai pu enfin serrer dans mes bras. Je n'ai pas retrouvé de photo de cet événement, mais imaginez mon émotion.
La révolution russe ayant conduit en février 1917 au renversement du régime tsariste, puis en octobre de la même année à la prise de pouvoir des bolcheviks, le pays connaît désormais une guerre civile d'une grande violence. Les bolcheviks s'opposent aux armées blanches, restées fidèles au tsar. Le conflit s'accompagne d'un effondrement de l'économie russe et d'une grande famine. Le danger que je cours ici peut se traduire en fait à chaque instant, cela d'autant plus que je suis visé tout particulièrement. Je serai donc la première victime en cas de trouble, et ces excès des ouvriers peuvent se produire à chaque instant, comme le prouvent les événements déplorables qui se sont déroulés dans le bassin de Donetsk. J'ai une femme et trois petits-enfants qui, dans le cas où il m'arriverait un malheur, seront sans ressources, n'ayant que mes économies qui ne valent plus rien à l'étranger. L'été 1919, je me souviens, les difficultés s'amoncellent avec M. Becker, et puis je n'arrive plus à remplir mes engagements, ni à rémunérer mon personnel. J'ai même proposé de démissionner. Et puis, il y a cette lettre de mai 1919 du frère de Maria très ému. Cher Nick et Maria, toute la famille a été heureuse d'avoir des nouvelles de vous, les premières depuis 3 années. Nous avons été vraiment inquiets, particulièrement durant les derniers mois où sont parus dans les journaux des articles faisant horreur sur les événements en Russie et la situation tragique du Caucase. À part que nous avons dû subir pendant 5 ans le joug de l'occupation prussienne, nous n'avons pas trop souffert de la guerre. Nous sommes en outre directement menacés par la révolution. Nous devons quitter le Caucase, jusqu'alors défendu par les Cosaques et l'armée blanche. En établissant à la hâte une liste des objets laissés sur place, je constate déjà les vols qui ont eu lieu dans la maison. Alors que Maria, les enfants et la gouvernante prennent la fuite en troïka à travers la steppe, Annie, alors âgée de 4 ans et demi, dans l'affolement, oublie Micha, son nounours. La fuite est rythmée par les pleurs de notre fille, tout entière prise dans son propre drame. Mais un autre drame se joue au dehors, puisqu'on aperçoit bientôt un poursuivant. L'angoisse est palpable, d'autant que la lourde troïka ne parvient pas à creuser l'écart face aux cavaliers qui ne cessent de se rapprocher. Lorsque la famille est rattrapée, la panique cède le pas au soulagement. Le poursuivant n'est autre qu'un serviteur qui ramène Micha à Annie, tout à ses larmes de joie. J'ai maintenant rejoint Maria et les enfants. Le périple de retour se fera en 6 semaines. Bakou en train, puis Batoum. Nous y embarquons sur un transporteur de charbon pour la ville qu'on appelait encore à mon époque Constantinople. Puis, grâce au consulat des Pays-Bas, nous poursuivons notre voyage jusqu'à Marseille. Là, nous nous retrouvons sans le sou et Maria doit vendre quelques bijoux au Mont de Piété dans l'attente d'un virement bancaire. Enfin, le 6 octobre, nous arrivons sains et saufs au Luxembourg. Thank you.
Et puis, ce sera hélas une guerre des nerfs avec mon employeur, dont je vous épargne les détails, mais qui me coûteront santé et énergie. 7 longs mois de tractation, négociation et rétractation passent. Malgré toutes mes désillusions, malgré aussi le danger que représente le retour dans cette région de la Russie, je suis même prêt à repartir, mais à la condition de ne plus travailler sous les ordres de M. Becker, qui, resté sur place par optimisme, finira hélas sa vie en prison pour y mourir suite aux mauvais traitements subis. Mon frère, lui, réussira à rentrer sain et sauf avec les siens en 1921, mais après des années de calvaire, comme en témoigne la lettre de Julia. Chère Maria, de nous, je ne peux vous dire rien de gai ni de rassurant. La vie devient de plus en plus difficile. Pour pouvoir vivre, nous sommes obligés de vendre le peu d'effets, linge et habits, qui nous restent. Et quand tout sera vendu, je ne sais pas ce que nous ferons. Nous parlons souvent de vous et voudrions beaucoup venir vous rejoindre, mais jusqu'à présent, on nous l'a refusé, sans en donner les raisons. Nous tâchons de ne pas perdre le courage et espérons qu'à la fin, cela pourra s'arranger. D'après ce que nous avons entendu dire, il y a des étrangers qui sont partis de la Russie, mais ici, dans le Caucase, on les retient. En attendant, grâce à Dieu, nous sommes tous en bonne santé. Mais on est souvent, moi surtout, bien fatigués et découragés de cette vie qu'on a maintenant. Les enfants se portent bien et grandissent. Ils parlent souvent d'Albert, Pépi et Annie et voudraient beaucoup les revoir. Je reçois souvent des nouvelles des miens qui, en attendant, sont en bonne santé mais ont aussi la vie bien difficile. Julia. Plusieurs mois passent, la société me doit de l'argent qui n'arrivera jamais et l'impatience me gagne pour de nouvelles aventures. Mais heureusement, je reçois une proposition de la société française Verdatoc, dont l'exploitation se trouve en Galicie, dont l'actuelle Pologne. J'ai entre-temps donné ma démission à mon ex-employeur et on m'a envoyé aussitôt là-bas mettre au profit de l'industrie pétrolière mon expérience industrielle et commerciale. Sur le chemin de mon départ en Galicie, je me souviens d'un arrêt de plusieurs jours à Vienne en juin 1920. Je me souviens du stress énorme lié aux responsabilités que l'on m'a fait soudainement endosser. Je me souviens d'un grand nombre de marchandages et de tractations liées à des questions financières. Je me souviens d'être pris de peur et du doute concernant la voie que j'avais choisie. Mais en définitive, mon choix de partir fut le bon choix. Fortement encouragé, débarrassé d'une tutelle autoritaire et de son incessant harcèlement, je peux enfin donner libre cours à mon inventivité, mes capacités d'organisation et développer mon travail de chercheur. Enfin la lumière et la reconnaissance de mes compétences. Car à Krosno, au sud-ouest de la Pologne, j'occupe le poste d'administrateur directeur général de la société Omnium des gaz et pétrole. Je suis maintenant pleinement heureux si j'accepte
tête, mon corps qui, hélas, m'abandonne lentement. Nous sommes confortablement installés au château de Polanka, à Krosno, avec du personnel luxembourgeois, dont une cuisinière. Le parc est magnifique et il y a un lac, des chevaux. Et les enfants ont une enseignante particulière. C'est là qu'en 23 naîtra Thérèse, ma petite Tizi. Et nous aurons même la chance d'accueillir une nouvelle fois la famille du frère de Maria, venue nous rendre visite spécialement pour le baptême de la petite dernière. À ce moment, je suis, comme l'on dit à votre époque, à fond, afin de prospecter de nouveaux marchés et d'en faire profiter mon pays, le Luxembourg, ainsi que mes employeurs qui n'ont de cesse de me féliciter. Je voyage par mont et par vaux dans des conditions difficiles, car dans des pays encore ravagés par la guerre. Je me suis laissé dire que le château est aujourd'hui l'hôtel Palace Polanka. Autre époque, autre mœurs. En 23, déjà malade, il me revient en mémoire une cure à Mandorf-les-Bains au Luxembourg, pendant laquelle je continue de m'occuper de la société, également d'une carrière à Aspel, dans laquelle nous avons investi, et de l'installation d'un chauffage à la maison du Rollinger Grund. Je crois avoir encore la vie devant moi. Et puis le destin a décidé que ce bonheur polonais serait de courte durée. Une maladie incurable me contraint de quitter mon travail et le pays pour finir mes jours au Luxembourg, entouré des miens. Voilà, ce furent quelques souvenirs de ma vie. J'en profite pour vous présenter ma petite fille Elisabeth, fille d'Annie. Elisabeth a voulu perpétuer ma mémoire et va maintenant conclure. Je suis Elisabeth Calmes, la fille d'Annie, troisième des enfants de Nicolas Raus. J'avais d'abord le projet d'écrire l'histoire de Nicolas en quelques pages. Mais ce projet a pris pour moi une telle importance qu'il en a résulté un livre assez exhaustif et à l'aspect plus personnel et intime qu'une biographie classique. Il se base sur un travail de recherche dans les documents familiaux et sur ce qui m'a été raconté par divers membres de la famille que je remercie de tout cœur. De ce livre et de la volonté de mon fils Philippe, a finalement surgi le document que vous venez de voir. Je n'aurais jamais fait ce travail sans mon envie de percer le mystère de la personnalité de ma mère et surtout si la petite Pépi, devenue ma tante Poumi, ne m'avait pas fait promettre sur son lit de mort d'écrire l'histoire de Nicolas.